C'est au quatrième étage d'un immeuble du quartier de Saint-Gervais dans le vieux Genève que se trouve l'atelier de rhabillage de François Mulsart. Enfin, quand je dis l'atelier de rhabillage, je devrais plutôt dire le cabinet d'horlogerie, parce que vous le savez maintenant, on les appelait les cabinetiers, les rhabilleurs d'horlogerie à cette époque-là, à Genève. Mon cabinet d'horlogerie, bon, c'est un bien grand nom pour un endroit somme toute vétuste et vieillot. Ben oui, c'est vrai, entre les poutres, la peinture est écaillée, la tapisserie se décolle dans les coins, le plancher grince. À part le magnifique établi en bois brun foncé, qui a une forme particulière, il y a une sorte d'arrondi dans lequel François Mulsart pousse son tabouret. Et puis de chaque côté, il y a comme de grandes oreilles sur lesquelles il pose ses coudes pour réaliser les travaux les plus fragiles et les plus délicats. De chaque côté, il y a toute une série de petits tiroirs qui contiennent tournevis, bruxelles, pinceaux, enfin tout ce qu'il faut pour son travail. Et cet établi est posé devant une grande fenêtre qui laisse entrer la lumière du bon Dieu. Sur une petite étagère, là, à côté, il y a une plante. Oh, une plante qu'il soigne avec beaucoup de régularité et qui le lui rend bien parce qu'elle fleurit presque toute l'année. Et puis là, suspendu au plafond, une cage. Une cage avec un canari. Oh, un canari. Un canari qui chante du matin au soir et qui met une gaieté dans cet atelier que, au fur et à mesure de la journée, eh bien, notre cabinotier se prend au jeu et se met à répondre au canari. Et alors, plus la journée avance et plus c'est des grandes montées, des grandes descentes, c'est à celui qui trouvera la plus belle mélodie et les plus beaux triolets. Il a appris le métier avec son père, François Mulsart. Et puis, quand son père est mort, eh ben, tout simplement, il lui a succédé. Mais il n'a rien changé, hein. Ça va très bien comme ça. Il n'est pas marié, François Mulsart. Non, il n'est pas marié. Mais il n'a pas mauvais caractère, hein. C'est un, à part quelques tics et manies de vieux garçons, c'est un bon voisin, il s'entend très bien avec ses voisins. Et puis, il voit ses amis régulièrement. Oui, sa vie se passe assez bien. Il n'a jamais quitté Genève. Enfin, vous l'avez compris, sa vie, elle est réglée comme une pendule. Jusqu'au jour où on frappe à sa porte. Alors quand il va ouvrir, ben, il voit tout de suite que c'est un étranger, à ses vêtements et puis à sa manière de parler. Et l'homme lui dit qu'il est l'attendant d'un prince polonais qui a déposé ses bagages à Genève pour quelques jours. Oh, mon patron est un collectionneur. Il a un cabinet de curiosités extraordinaire. Il a des objets très précieux, comme ceci d'ailleurs. Et il tend à Mulsart une canne en bois précieux et ornée d'un pommeau en or, finement ciselé. Eh bien voilà. Cette canne a un petit secret, vous voyez, là derrière il y a un petit bouton et quand on actionne le bouton, le pommeau s'ouvre. Il en sort un petit oiseau qui tourne la tête à gauche, à droite, qui la renverse en arrière et tout en battant des ailes, il se met à chanter. Mais voilà, le mécanisme est grippé. Ça fait une semaine que je cours tous les cabinetiers de Genève, il n'y en a aucun qui peut réparer ça. Monsieur Mulsart, vous êtes ma dernière chance. Tranquillement, Mulsart prend la canne, il dévisse le pommeau, sort le mécanisme, le pose sur son établi, revisse le pommeau et tend la canne à l'intendant en lui disant « ça je vous le laisse, c'est bien trop précieux pour moi, moi j'ai ni cadenas, ni coffre-fort ». Et puis il empoigne le mécanisme et il l'observe. Alors, monsieur Mulsart, qu'est-ce que vous dites? Oui, je pense que je peux réparer ça. Ah, oh, vous me sauvez la vie. Ah. Dites-moi, il vous faudra combien de temps? Un bon mois. Oui, un mois, ça ira. Monsieur Mulsart, dans un mois, jour pour jour, je suis ici. Et avec des grands gestes,
l'intendant quitte l'atelier. Mussard trouve ce mécanisme intéressant. Alors il pousse les rhabillages qu'il avait à faire et il s'intéresse à ce petit moteur incroyable. Et il trafique, et il finit la journée et il ne s'occupe de rien d'autre que de cela. Et puis les jours suivants aussi. Si bien qu'il y met un tel entrain qu'au bout de 15 jours, l'oiseau a retrouvé sa voix et le mécanisme fonctionne à merveille. Sous l'œil inquiet du canari, qui tout à coup a de la concurrence là, il y a quelqu'un qui chante aussi. Mais le canari s'est vite aperçu qu'il chantait toujours la même. Alors lui, pour se faire voir, il en rajoute et il invente tous les jours de belles mélodies. Et quand le cabinotier s'y met, on se croirait dans une salle de concert au moment où les musiciens accordent leurs instruments. Comme il a terminé son travail, Mussard se dit que finalement, il va aller livrer lui-même cette pièce à ce prince. Et il se rend au Grand Hôtel de Genève. Le prince Wotorowski le reçoit avec beaucoup d'empressement. Il est très content. On remet le mécanisme dans le pommeau. On presse et ça s'ouvre. Et ça chante. Oh, il est ravi, ce prince. Mais monsieur Mussard, mais comment est-ce que je peux vous remercier ? Alors, Mussard sort de sa poche une enveloppe et dit « voilà ma facture ». Mais le prince, il aimerait faire quelque chose de plus. Alors, il réfléchit et il dit « Monsieur Mussard, est-ce que vous accepteriez de manger avec moi demain ?» C'est que Mussard hésite, puis il se dit que finalement, il n'a pas tellement l'occasion de sortir. Et qui plus est, avec un prince, alors il accepte. Rendez-vous est pris pour le lendemain midi au Grand Hôtel. Mussard rentre chez lui, mais en montant l'escalier, il a un problème. Entre l'intendant et le prince, il a vu des hommes qui étaient élégamment vêtus, et lui, ses vêtements, il n'a jamais fait très attention. Alors il va dans l'armoire, et puis il fouille, il n'y a pas grand-chose. Mais il finit par trouver une redingote. Oh, elle est démodée, elle a des boutons croisés. Elle tend un peu sur son ventre, mais pour un jour, ça le fera. Et puis, il la regarde. Le noir vire un peu au vert, mais elle est propre, c'est l'essentiel. Et ainsi vêtu, il se rend au rendez-vous du prince. La table qui leur a été réservée est une grande table ronde, située en plein milieu du restaurant. Ah! Mussard est très gêné, mais le prince l'accueille avec beaucoup de gentillesse et d'attention. Mais quand il voit la table, oh là là, indépendamment des magnifiques grandes assiettes, il y a un couteau, une fourchette, un couteau, une fourchette, un couteau, une fourchette, un verre, un verre, un verre, une petite cuillère, une petite cuillère. Oh là 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 là. Mussard se dit, mais comment je vais faire moi avec tout ce bazar? Moi, j'ai toujours qu'un couteau puis une fourchette, mais je ne vais pas m'en sortir. Alors il se ressaisit et il se dit que il va tout faire comme le prince. Et le repas commence. Oh, au début, il ne sait pas trop quoi dire, Mussard, il est gêné. Mais le prince le met à l'aise, il parle gentiment, il est vraiment très content et très affable avec lui. Et Mussard suit tous ses gestes, quand on prend celui-là, il prend celui-là. Enfin, il n'en perd pas une. Et puis le vin est délicieux. Vous le savez bien, le vin... Ça délie les langues. Alors Mussard se met à raconter. Il raconte des histoires de cabinotiers. Et comme c'est un monde absolument étranger pour notre prince, ça l'amuse beaucoup. Et le repas continue. Oh, on met dans les assiettes énormes des toutes petites choses. Il ne sait pas du tout ce qu'il mange, mais c'est très bon. Alors il mange. Et puis surtout, il boit. Il boit, puis finalement, il se met à philosopher. Ou une philosophie à la Jean-Jacques Rousseau, qui a le don d'amuser le prince. Arrive le moment du dessert, et là le prince lui dit « Écoutez, monsieur Mussard, j'ai des affaires qui m'attendent, je vous laisse manger le dessert tout seul.
Et il sort de sa poche une magnifique enveloppe avec un sceau, c'est pas l'enveloppe froissée qu'il avait donnée le jour avant. Et il dit, voilà, monsieur Mussard, c'est votre facture, je vous règle ce que vous avez fait. Et il se lève en disant, Mussard, vous pouvez rester à table tant que vous voulez, vous pouvez prendre autant de desserts que vous voulez. Et sachez que je ne vous oublierai jamais. D'ailleurs, quand je serai de retour chez moi, je parlerai de vous à tous mes amis les princes, soyez-en certains. Et il quitte la salle à manger. Et notre cabinetier se retrouve devant son dessert et l'enveloppe. L'enveloppe et le dessert. Il opte pour l'enveloppe. Il l'ouvre. Oh là 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 là, Mussard, t'as trop bu. Il referme l'enveloppe, il la met dans sa poche, il ne mange pas son dessert et rentre chez lui. Arrivé chez lui, il range la redingote dans l'armoire, il va se coucher et il dort d'une seule traite jusqu'au lendemain matin. À son réveil, il retourne dans l'armoire, il prend l'enveloppe, il la pose sur l'établi, il allume le quinquet. Il ouvre et il sort 1 et 2 billets. Et il compte. Il y a là 2 billets de 1 000 francs. À la place des 200 francs qu'il avait demandé pour sa réparation, le prince lui a mis 2 000 francs. Kiki, 2 000 francs, tu te rends compte ? Et il regarde ça, ben c'est pas souvent qu'il en a vu des billets de 1 000 francs. Et alors il se passe à ce moment-là quelque chose d'étrange. C'est comme si un espèce de vent de folie se mettait à souffler dans l'atelier. Mussard se dit que, après avoir vu ces deux hommes si bien vêtus, qu'ils méritaient mieux que ce qu'ils portent là en ce moment. Alors il prend un de ses billets et il part en ville. Et là il va s'acheter. Un costume 3 pièces, un grand manteau noir avec une écharpe blanche qu'il jette négligemment en arrière, un chapeau et une canne, parce qu'une canne, ça pose son homme. Et ainsi vêtu, il va déambuler sur les quais de Genève. Il va, il vient. Il finit par rentrer dans son atelier. Il finit rapidement les quelques habillages qu'il avait mis de côté pour faire le petit oiseau. Et puis, il décide qu'il ferme son établi. Et tous les jours, il va faire son vieux beau sur les quais de Genève. Et quand il croise un de ses amis cabinotiers qui dit « Alors, Mussard, ça a l'air de bien marcher, les affaires !»« Ah, tu sais, moi, je ne travaille plus que pour des princes et je répare des cannes avec des pommeaux d'or. Oh !» Ben, t'en as de la chance. Oui, la chance, c'est à voir. Parce que le temps passe, et des princes, il n'y en a pas tant que ça à Genève. Et des cannes en or non plus. Alors du coup, eh ben, comme il ne vient plus dans son atelier, il n'arrose plus la plante et elle meurt. Quant au canari, lui, ben, il n'y a plus personne qui chante avec lui. Et comme Mussard traîne tout le temps sur les quais, il oublie même de lui donner à manger. Si bien qu'un jour, le canari se retrouve raide mort au fond de la cage. Et Mussard continue de déambuler dans les rues de Genève. Et il finira seul, complètement ruiné. Et tout ça pour une canne avec un pommeau en or. Quelle misère! Du côté du couchant, du village de La Chaux-de-Fonds, se trouvent les éplatures Bonnefontaine. C'est une plaine de montagne, bordée au nord comme au sud par de sombres forêts. On y trouve beaucoup de ces larges fermes qui ne sont finalement pas si éloignées les unes des autres. Il y a, à cette saison,
des saisons justement qui sont très différentes les unes des autres. Elles sont très marquées. Il y a la neige. La neige qu'on combat vraiment avec énergie. Il faut ouvrir les chemins, réduire les menées. Il faut descendre, faire tomber la neige des toits. C'est un énorme travail. Et il y a le bois. Le bois, on chauffe toute l'année. Il faut le couper et le ranger. Ces grandes fermes demandent un entretien considérable. Pensez à la citerne qui fuit au mur de pierre sèche, au toit de bardeaux. Il y a un peu de bétail, un peu de culture, mais pas beaucoup. Mais tout ceci, sans compter sur le travail de l'horlogerie et de la dentelle, à côté des tâches domestiques qui sont, comme on le sait, bien difficiles à cette époque. Mais pensez aux lessives qui dégagent des vapeurs, des montants de vapeurs. C'est un monde où on travaillait beaucoup, tout le temps, de longues heures, mais sans se stresser comme on le fait aujourd'hui. Il y avait cependant des moments où on ne travaillait pas, ou en tout cas pas beaucoup. C'était l'éveillé. Ah, l'éveillé, c'est le temps des histoires. On se réunissait là où il faisait chaud, dans la belle chambre ou à la cuisine. Et on parlait de l'extérieur, des histoires, des éplatures Bonnefontaine, des voisins. Et aussi, on riait pour un rien. On riait avec tant de plaisir d'être ensemble. Dans ce fourmillement de vie, il n'y avait que Jean-Jules Ducommun qui passait pour être le plus fieffé, paresseux de toute la région. C'était un long jeune homme, au visage ovale, aux grands yeux bleus, couronné de boucles blondes. Jean-Jules ne savait que faire de ses 10 doigts et ne s'intéressait à pas grand-chose. Mais il n'était pas querelleur pour un sou, il était gentil. Sa mère, c'était une petite femme boulette et un peu simplette, qui en tout cas 20 fois par jour tordait son tablier et répétait en se lamentant « Oh, c'est-y permis, Jean-Jules? Oh, c'est-y possible, mon Dieu, quel enfant !» Mais ça n'arrangeait pas grand-chose. Le régent, lui, très rapidement, a conclu que Jean-Jules était né fatigué. Il était assis, bon dernier, tout au fond de la classe, et passait des heures à regarder par la fenêtre le passage des nuages et l'allongement des ombres par terre. Le régent répétait souvent « Oh, Dame Féru, les maîtres Martinet n'ont eu aucune influence sur cet enfant. » Avec lui, il n'y a rien à faire. Et ça plaisait à Jean-Jules, ça c'est vrai. Quant au pasteur, il a dépensé beaucoup d'énergie et s'est montré très patient pour apprendre quelque chose à Jean-Jules pendant toutes ces années. Mais il constate dépité que Jean-Jules a retenu deux choses. C'est que le septième jour de la création, c'est le jour du repos, et que plus tard, alors là, c'est le repos éternel. Sa mère, le régent et le pasteur l'ont laissé tranquille. Et il était bien content. Le dimanche, Jean-Jules s'était aménagé au fond de la grange un espèce d'endroit bien douillet et il y passait tout le temps possible en espérant qu'une chose, c'est qu'on ne le dérange pas. Mais la semaine, il était bien obligé de faire la moindre des choses. Et à l'atelier, son oncle l'avait mis à tout hasard à l'atelier. On le taquinait, mais on le menaçait, on le traitait de tire au flanc, on le grondait. Oh.
Mais comme disait son oncle, une main de fer n'a aucune influence sur une pâte molle. Jean-Jules était orphelin de père et c'était son oncle Richard qui s'occupait de lui. Il lui avait trouvé un maître d'apprentissage, un monsieur Humbert, qui avait montré beaucoup de patience et beaucoup de savoir-faire, et il avait réussi à l'amener lentement, à l'âge de 18 ans, à l'état de finisseur. Oh, mais pour ça, il lui avait présenté des pièces très très simples. Il en avait estropié une telle quantité. La vie aurait pu continuer régulière, sans sursaut, sans rien, s'il n'y avait pas eu une certaine veillée. Celle-là avait lieu chez l'oncle Richard, justement. Et ce soir-là, il y avait beaucoup de monde. Il y avait un vieux pendulier, Abraham Geyser. Elle lui raconte, oh, il l'avait déjà fait quelquefois, toute la problématique du mouvement perpétuel. Oh, déjà depuis l'Antiquité et puis d'autres Neuchâtelois s'y étaient mis, mais ça n'avait pas marché. Mais lui, Abraham Geyser, il avait passé des heures à faire des calculs et des mois de réflexion et de travail pour réaliser une de ces superbes machines. Il l'avait tout d'abord présenté à des messieurs de la Chaux-de-Fonds et puis d'autres des messieurs de Neuchâtel. Et tous avaient dit « Hélas, monsieur Geyser, hélas, vous non plus, vous n'avez pas réussi à résoudre cette énigme mathématique. » « Eh bien, tant pis !» avait dit Geyser. Et il s'était remis à faire ses splendides pendules neuchâteloises qu'on remonte avec une clé, ben, tout simplement, comme on l'avait toujours fait. Tous les gens rient de bon cœur. Oh, il faut dire qu'ils connaissent cette histoire depuis bien longtemps. Mais ce soir-là, le vieux pendulier, il est en verve. Et il ajoute, avec une belle voix, « Hein, les amis ?» Pour réussir dans la vie, il faut là-haut des ressorts de volonté et puis des engrenages bien huilés jusqu'au bout des doigts. C'est ça qu'il faut pour réussir dans la vie. Hein? Jean-Jules, toi qui es contre le chauffage là, qu'est-ce que t'en penses? Tous les gens qui riaient rient de plus belle. Et puis c'est la fin de la veillée, chacun part dans son coin. Mais Jean-Jules ne bronche pas. Oh, c'est comme s'il avait reçu la foudre en plein crâne. Et se dit, si moi, je réussis à créer un mouvement perpétuel, je n'aurai plus besoin de travailler pour le restant de mes jours. Oh, il ferme pas l'œil de toute la nuit. Et le lendemain, à l'atelier, à la stupéfaction de tous les ouvriers, on le voit actionner une pédale dans le vide à toute vitesse. On le voit marmonner d'obscures formules. Et lui qui a un visage si plein, il est maintenant barré de plis profonds. Dans l'air, il dessine des angles, des arcs de cercle. Et puis à partir de ce moment-là, il passe tous ses moments libres, depuis très tôt le matin jusque très tard le soir, dans un réduit que l'oncle Richard a mis à sa disposition. Il a sorti des vieilles ferrailles un bâti d'horloge et il y fixe avec la plus grande attention et avec un travail considérable une quantité de rouages, de ponts de bascule, de ressorts. On le voit faire de longues tiges de laiton. De loin, on l'entend marteler, scier, limer. Mais il travaille d'arrache-pied pendant plus de 3 mois. Et lui qui était gros comme un blaireau, eh ben, il maigrit, il vient tout mince, tout mince. Mais le jour arrive où il va pouvoir ouvrir la porte à une éternité splendide. Il donne maintenant, avec le cœur qui bat, la première chiquenaude à sa magnifique machine. On entend d'abord un glissement
un soupir, un arrêt, et encore un glissement un peu plus marqué. Oh, mais tout ceci est de bon augure. Ensuite de quoi, il y a une espèce de claquement régulier, et finalement un brouhaha qui provient des entrailles de la machine. Ensuite, après un petit silence, il y a de nouveau un roulement qui hoquette un peu, et finalement un fracas épouvantable suivi d'un cri énorme qui envahit toutes les éplatures Bonnefontaine. Mais tout le monde accourt pour porter secours à Jean-Jules, qui s'est pris la main dans un engrenage et qui crie à mort. On le sauve, on lui soigne sa main, mais Jean-Jules tombe malade, au beaucoup plus de dépit que de sa blessure, qui, ma foi, n'est pas bien grave. Et Jean-Jules redevient le Jean-Jules d'avant. Il reprend du poids comme un blaireau. Il redevient oisif, tranquille, il végète, toujours aussi gentil d'ailleurs. En face, à côté de la ferme des Ducommun, il y a la ferme des Dubois. Elle n'est pas si éloignée que ça, et les gens se connaissent très bien, parce qu'on se voit travaillant, on s'entend aussi, on se connaît très bien. Chez les Dubois, il y a Henriette. Henriette Dubois, elle est plus très jeune, elle n'est pas vraiment bien jolie. Mais alors, elle est débrouillant diable et forte comme un homme. Elle prend une brouettée de tourbellement en courant le long du pont de grange. Elle s'occupe du bois, enfin bref, elle sait tout faire. Mais hélas, Henriette est une pie grièche de premier rang. Elle a la langue pointue, elle distribue des paroles aigres toute la journée à tout le monde. Et voilà-tu pas que l'oncle Richard a l'idée de lui faire épouser Jean-Jules. À partir de ce moment-là, elle lui donne du travail tout le temps. Quand il a fini une chose, il y en a une autre à faire, et plus vite encore, et encore plus vite, et après il y a encore d'autres choses à faire. Elle le houspille, elle le harcèle, elle est toute arrosée par une grêle de propos acides. Si bien que Jean-Jules n'a pas de répit, ne s'arrête jamais. Si bien qu'au fil des mois, Jean-Jules est celui qui travaille le plus de toutes les éplatures Bonnefontaine. Les voisins voient tout ça et ils disent Jean-Jules a cherché le mouvement perpétuel, hein? Mais c'est Henriette qui l'a trouvé. Blanc, blanc, tout était blanc, sur le Locle, le soir du 31 décembre 1780. La neige descendait doucement, et la nature semblait comme endormie. Même la fontaine, tout encapuchonnée de blanc, avait des allures bizarres, des allures de forme humaine. Un grelot retentit, faisant écho au carillon des horloges. L'homme se secoua de son rêve. Il s'approcha de la fenêtre. C'était un traîneau. À l'intérieur, il y avait un homme, une femme et un petit enfant. Et ils étaient serrés les uns contre les autres. Ils souriaient, ils avaient l'air heureux. Rapidement, le traîneau s'en est allé vers le bois voisin, en laissant derrière lui une longue traînée bleutée. L'homme revint au centre de la pièce. Il battit son briquet et alluma les deux bougies qui étaient sur un candélabre en étain. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, mais il paraissait un peu plus que son âge. Il avait le dos légèrement courbé et la figure un peu marquée. Mais il était habillé d'une belle redingote marron
de culotte qui lui allait jusqu'aux genoux, avec des chaussettes blanches, et le tout se terminait par des chaussures à boucles. C'est sûr, c'était un homme élégant. Ses yeux étaient vifs, ce qui dénotait intelligence et volonté. Mais depuis qu'il avait vu le traîneau par la fenêtre, il semblait nerveux. Il allait, il venait dans cette pièce, qui était une grande pièce, avec des plafonds lambrissés, avec une mur genre Renaissance. Et puis il y avait une table, une énorme table, entourée de 6 chaises à haut dossier. Il y avait aussi un poêle en cattelle bleu et blanche. Il y avait un bahut. Et puis une grande armoire, au-dessus de laquelle il était inscrit, en lettres gothiques rouges, « Omnia labore », toujours travailler. Ça devait être la devise de la maison. L'homme semblait attendre quelqu'un. Il se demandait ce qu'il a... Il était troublé. Et il s'est approché d'une alcôve. Il a ouvert brusquement les deux bâtons de cette alcôve. Et il a vu. Il a vu une femme. Elle était très belle. Elle avait une perruque poudrée. Elle avait ses mains posées sur le clavecin. Et elle regardait à droite, à gauche. Sa poitrine, comme par une soudaine émotion, s'est soulevée. Et elle a joué. Elle a joué une gavotte, un menuet et une fantaisie qui se terminait un peu tristement. Puis elle a fait la révérence, elle a pris une rose dans un vase, elle a respiré son parfum, reposé la rose. Et l'homme, pendant ce temps, il n'avait pas bougé. Il avait toujours les mains derrière le dos. Ni l'un ni l'autre n'ont entendu monter un troisième personnage. C'était un vieil homme avec une redingote marron. Il s'est approché de l'homme et lui a dit « Alors, Pierre Jacquet, voilà enfin fini votre œuvre. » « Oui, mon maître, j'y ai mis la dernière main ce soir. Mais, alors que j'étais dans l'exaltation de la création, de la joie du travail terminé, que mon orgueil me criait que j'avais dérobé à la vie son plus puissant secret, je suis vite retombée sur mes pieds. Et j'ai compris, en voyant par la fenêtre un traîneau avec une femme, un homme et un petit enfant serrés les uns contre les autres. Je me suis dit, pauvre insensé que tu es, ta machine que tu as appelée Sylviane, elle ne sera jamais aussi parfaite que ce que tu viens de voir par la fenêtre. Alors, Pierre Jacquet, le soir de son plus grand triomphe, il a pris sa tête entre les mains et il a pleuré, pleuré des larmes d'impuissance et de désespoir. Son vieux maître lui a mis la main sur les épaules et lui a dit « Mais relève-toi, Pierre Jacquet, personne encore n'a allié à beauté et science comme tu viens de le faire. » Cette Sylviane, comme tu l'appelles, elle voyagera parmi tous les pays, elle fera l'admiration des rois, du peuple. Elle te survivra bien des années. Sois fier, Pierre Jacquet. Mais Pierre Jacquet était inconsolable. Et il disait au maître, « Mais maître, regardez, ses mains sont sans chaleur. Ses oreilles n'entendent pas. Pas d'intelligence dans son regard, pas de cœur dans cette poitrine, pas d'âme dans cette machine, pas d'âme. » Mais le vieux maître continua à encourager Pierre Jacquet et lui dit « Mais sois fier de ce que tu as fait, tu n'as pas perdu toutes ces années pour rien. » Alors, Pierre Jacquet se ressaisit. Il regarda Sylviane.
Elle souriait. Et elle semblait lui dire, Pierre Jacquet, « Mes rouages, c'est ton intelligence. Mon cœur dans cette poitrine, c'est le tien. Et mon âme, Pierre Jacquet, mon âme, c'est aussi la tienne. » Alors Pierre Jacquet regarda Sylviane, s'approcha de la machine, appuya sur un bouton, et Sylviane joua. Elle joua une gavotte, un menuet et une fantaisie. Et tous les trois, ils écoutèrent ensemble sonner les 12 coups de minuit qui annonçaient une année nouvelle.